faire des entraînements libres. Bah, quand tu es abonné, en fait, tu peux faire un pass et tu peux venir t'entraîner en bas. Et en haut, quand il n'y a pas de cours. Ok, d'accord. C'est dur en oreiller, donc le but c'est de vous construire du jeu au max et pas vous figer sur des trucs. Ayez déjà un game plan d'attaque, défense et passage, sweep. D'accord? On va constamment oublier ça en tête. Quand vous drillez ce que vous faites en combat. Qui sont cohérents, pas des choses que vous n'avez pas à faire en combat. Ok? Ok. Allez, c'est parti, Jimmy. Combien de temps? Je me suis dit cette semaine, c'est les petits rondes de 10. 10? Bah, ça va! Au sol? Ouais, au sol, là, les premiers. J'ai l'honneur de commencer avec le coach. T'as la chance? Ouais. Hein.
Non, j'y arrive pas. La stratégie, c'est de passer ta garde, mais j'y arrive pas. Thank you.
Thank you.
Allez, mec. Alors la caméra, ça veut dire que vous avez touché. Si vous avez touché, c'est qu'en fait vous ne faites pas correctement le truc. Vous ne pouvez pas toucher. Et si je vois tout le cours là, c'est que ça ne me sert à rien. Donc quand la caméra est touchée, vous faites en sorte qu'elle revienne. Et si elle est touchée, c'est qu'elle risque d'être pétée. Si elle est pétée, vous remboursez. Vous êtes bien d'accord? Allez, go. Soyez moins dur sur vos grips, soyez plus mobile. En fait, là, votre jiu-jitsu est moche, donc je ne veux pas ça. Relâchez vos grips un petit peu en termes de pression, créez plus de mouvement de corps. Utilisez les grips comme des éléments de cadre, pas comme des trucs où vous bloquez le gars. Allez, go! Je pose mes mains, je bouge, je pose mes mains, je me bouge, soit en dessous, soit au-dessus. Ces passages.
pas assez pour aller le chercher. Je vais aller le chercher, colle-le, embête-le, tire-le. Là, t'as tant qu'il vienne à toi, ça va être compliqué, ça veut dire que t'as un temps de retard à chaque fois. Attention, regardez qui vous avez derrière, ils sont sur deux. Plus de mobilité, plus de mobilité, ça. Ouais, tout ton jeu doit être mobile. Ta mobilité. Ok,
Je sais ce que je fais quand je me tu me dis que je te tire vraiment vrai, mais en ayant le... C'est pas sincère. Oui, t'as le grand corps, c'est bien, mais toi, je te tue par mon corps. Parce que moi, mon premier en fait, c'est là. Ouais, tu vois, je te tue par mon corps. Non, ça peut être bien, si tu vas chercher un peu. Voilà, maintenant, tu vas aller. Oui, là, je suis 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 là, c'est ma femme, c'est là. Ouais. On va mettre 0,5 aujourd'hui. 0,5. Je veux vous bouger. Thank you.
Dédé. Allez, André, André. Oui, si tu veux, oui, oui, c'est possible. Oui, mais il faut que tu fermes. Tu tires vers les mains, tu tires avec les jambes. En fait, c'est ça, pour moitié d'espace. Oui, ça veut dire que là, tu colles, tu fais un avec lui, là. Et vraiment, tu fermes ta mi-garde, bien, là. Ferme ta mi-garde. Voilà, en mode triangle à fond, quoi. Et là, tu vas. Tu vas chercher une réaction ici, tu le pousses, il va vouloir... Il va résister. Tu tires vers toi. Tu viens avec moi et tu m'emmènes.
Allez, on part. Donc, tu vas avec les jambes. Il faut vraiment que tu sois collé. Ouais. Donc, tu vas prendre au premier lieu le problème. Le là. Après, si je fais des trucs, ils ont pas parlé. Il y a des leviers qui marchent plus ou moins.
Là, tu colles ta loupe, lui, il a très bien.
Non, pardon, excuse-moi, ça, c'est en fait, tu peux la retirer. Voilà. Mais par contre, il faut que ça, que ce soit hyper bien contrôlé. Voilà. Tu vois, ça, après, si tu montes, toi, tu vas ouvrir, mais et du coup, si tu en as, le truc, c'est que tu restes non face au gars. Donc, ta jambe, elle est là. Oh, la main, c'est intéressant. En gros, dis-toi, ma main doit toucher ma tête. C'est l'exagération de la larme. Ma main doit aller toucher ma tête.
gauche un peu. J'ai une gauche. Moi je ne suis pas à la con là. Il va passer, non. Mais là, je peux pas, parce que moi, un petit peu, tu vois, il ressort, là. Ouais, je sais bien faire. Ouais. Plus le temps. Plus le temps, plus le temps. Yeah.
Oui. Ça va. C'est un grand truc à faire pour moi. Je vais voir comment je pourrais. C'est pas mal. Par contre, le bras de m'emmerde. Ouais. Ah. Allez. On va voir un peu de trucs. On mélange. On récupère le bout. On va commencer à mettre un peu de pression sur ta petite tête. Voilà. Voilà. Oh oui. Bien joué. Ouais, il voulait tellement aller là. Mais il est con. La focalisation mentale. 2, 2, 2, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux, répétez-vous à chaque fois que je vise trois fois le chiffre 2 automatiquement. Je suis focalisé sur un sujet. Enfin, dans un instant, vous allez viser trois fois le chiffre 1, vous allez associer votre zone, c'est-à-dire la multiplication de votre disponibilité physique avec votre focalisation mentale. 1, 1, 1, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux, répétez-vous à chaque fois que vous visez trois fois le chiffre 1 automatiquement. Chambre dans ma zone. Dans un instant, vous allez utiliser votre zone pour
travailler sur les corrections apportées pour vos techniques. Vous utilisez une technique, une et une seule, et vous imaginez entre chaque chiffre d'améliorer, de corriger les petits éléments afin que ça passe de mieux en mieux, plus en plus facilement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous utilisez complètement la technique en la passant en bien. Dans un instant, vous allez dans la récupération comme d'habitude. Vous allez tendre votre corps au maximum et tout relâcher d'un coup. Comme d'habitude, vous associez ce relâchement à la capacité à récupérer plus rapidement entre les trainings. 3, 2, 1, tendez, 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 bien, observez comment le relâchement maintient apaise les tensions. 3, 2, 1, tendez, 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 relâchez. Observez quand ça décompresse et que ça permet que toutes vos tensions diminuent, diminuent, diminuent. 3, 2, 1, tendez, 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 relâchez. Ok. Dans un instant, vous allez vous focaliser sur la satisfaction, satisfaction et réussite d'une technique ou d'un début de process qui commence à passer de mieux en mieux. Vous allez d'abord commencer avec les drills. Allez, 1, 2, 3, visualisez bien, 4 et 5. Ok, maintenant vous visualisez satisfaction et réussite sur un randori. Le gars il n'est pas à 100%, mais vous êtes sur votre terme, vous arrivez à passer de mieux en mieux la technique et vous êtes satisfait, ne serait-ce que de l'avoir initié ou carrément fait complètement. 1, 2, 3, 4 et 5. Une dernière fois sur le sparring dur. Et là, cette fois, imaginez que c'est très dur et que vous arrivez à prendre le grip que vous voulez ou commencer ce que vous voulez ou carrément sweeper, soumettre, passer la garde. 1, réussite 2, réussite 3, réussite 4, réussite 5, réussite. Ok, maintenant vous allez dans la deuxième partie de la récup. Cette fois c'est pour tout ce qui a pu être tension, stress psychique, émotionnel, en plus de tout ce qui est physique. Comme d'habitude, vous tendez, vous allez chercher tout ce qui vous a stressé, vous relâchez tout d'un coup. 3, 2, 1, tendez, 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 attendez, 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 allez, une dernière fois, tout le stress que vous avez pu cumuler, ou toutes les choses un peu emmerdantes en ce moment dans la vie, vous créez de l'espace pour être plus serein. 3, 2, 1, attendez, 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 2, 1, 5, à 5, vous ouvrez les yeux, vous irez rapidement vous donner. 1, 2, 3, inspirez profondément. 4, et étirez-vous. Et 5, et vous verrez sûrement allumer. De protection, nous on se fera des petits sparring tranquilles de 18h30 à 19h30 et après on fera une heure, il y aura une sparring avec eux. On a fait une grosse session. En même temps, vu qu'on va pas avoir toutes les salles, on sait que ça va être relativement il y aura des pauses, ça sert à rien d'être 20 000 quand on combat,
Mais ce qui m'intéresse moi, c'est surtout que vous protégez un max. Comme d'hab, les gens qui font moins de sparring peuvent faire plus de blessures que des gens qui savent faire des sparring. Donc un max de protection, si vous avez des casques et tout. Vos gants et votre stratégie, rentrer, amener au sol, contrôler et pas laisser la moindre ouverture pour éviter que des personnes qui explosent puissent vous faire mal avec un coup de coude, un coup de genou, un coup de talon, etc. Ok, deuxième chose, samedi, on défonce la gueule de... du petit vietnamien. Je le prépare. Hein, je le prépare mentalement. il m'a dit qu'il venait, hein, donc il m'a validé qu'il venait. Donc c'est... Et donc, bah, on va lui faire mal. D'accord. Il souffre. Donc, vous venez avec vos clims et vos gants. D'accord. Parce qu'on va le taper aussi. N'hésitez pas à mettre des protèges tibia pour ceux qui en ont. Parce qu'il est vraiment léger. N'oubliez pas, c'est vraiment un bébé gabarit. Hein. Donc, même si il se bastonne bien, il ne faut pas lui faire mal. Ok. Pas mal. Wow. Non plus, il ne faut pas le blesser. Voilà. Allez. C'est le meilleur moment, mais c'est carrément pourri. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait rester avec eux dans un coin? Non. Parce que ça, c'est sinon, on recontait la reculée. C'est Samuel, là, il voulait. Allez. Nickel, Ous. Bravo. Bravo. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Yes, merci.